Ce soir, dans cette nouvelle vidéo, c'est vous, les abonnés, qui êtes à l'honneur. Je vais présenter des histoires qui vous sont arrivées, des histoires qui vous ont effrayé. J'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira. Si vous souhaitez m'envoyer votre histoire, c'est sur Instagram que ça se passe, AkenTV, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, j'ai pour objectif d'atteindre les 10 000 abonnés. On est en train de se rapprocher de l'objectif. Actuellement, il me semble que... On est à un peu plus de 7000, donc si vous souhaitez m'aider à atteindre ce but, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et si maintenant vous êtes prêts, bien installés, laissez-moi vous raconter toutes ces histoires horrifiques d'abonnés. La première histoire que je vais vous partager sera celle de quelqu'un que nous appellerons Célia. Célia nous explique que son histoire se déroule quand elle était âgée d'environ une quinzaine d'années. À ce moment-là, elle effectuait son année de première et elle devait passer un examen assez important quand on est en première, c'est l'oral du bac de français. Alors, le jour J, on a déposé Célia en face de son lycée. Et d'ailleurs, en face de son lycée, il y avait un autre lycée. L'épreuve de Célia se passe plutôt bien et après l'avoir terminée, elle est soulagée, elle est contente de rentrer à la maison. Elle nous dit qu'elle prenait le bus scolaire pour venir au lycée et pour rentrer chez elle, donc elle se rend à l'arrêt de bus et elle était un peu en avance vis-à-vis de l'horaire de passage du bus pour être ramenée chez elle. Donc, pour patienter, Célia sort un livre de son sac et elle commence à lire tranquillement pour passer le temps. Pour contextualiser un peu où elle se trouve, elle nous dit que la rue où se trouve l'arrêt de bus est assez longue, qu'elle peut être même qualifiée d'avenue, une rue à sens unique. D'un côté de celle-ci, il y a quelques logements, une piscine, et de l'autre côté par contre, il y a là une résidence pour seniors. Il n'y a pas de commerce, pas d'endroit pour se mettre au calme, c'est principalement une rue passante. De plus, Célia explique que c'est une rue qui peut parfois mettre mal à l'aise. Effectivement, de nuit, elle n'est pas bien éclairée, donc elle dit qu'elle n'a pas l'habitude de s'y aventurer de nuit. Célia attend, elle attend encore et encore, et c'est là que l'heure de passage du bus est dépassée. Au début, pas d'inquiétude, peut-être que le bus a un peu de retard, mais au bout d'un certain temps, Célia se dit que le bus n'arrivera pas. Elle est quelque peu perplexe parce qu'elle avait demandé au préalable au chauffeur de bus s'il faisait ces passages-là, on était au mois de juillet, et le chauffeur lui avait répondu par l'affirmative. Donc à ce moment-là, Célia est assez déboussolée. Mais là, pour Célia, problème. Elle n'a pas de téléphone portable, pour ses parents c'était un achat superflu, mais il lui avait acheté au cas où une carte téléphonique pour utiliser des cabines téléphoniques. Et heureusement, dans le lycée de Célia, il y avait une cabine téléphonique. Alors Célia rentre dans le lycée, elle utilise la cabine pour appeler sa mère, et sa mère lui dit « Pas de problème, je vais venir te chercher ». Alors Célia doit de nouveau patienter, cette fois-ci 25 minutes, le temps que sa maman ne la rejoigne. Notre amie retourne donc à l'arrêt de bus où elle était au préalable, elle ressort son bouquin et elle se remet à lire en attendant que sa maman arrive enfin pour la récupérer. Célia patiente et à un moment donné, un véhicule commence à emprunter la rue où elle se trouve. D'abord, rien d'inquiétant, mais un petit stress commence à se créer en Célia quand le véhicule ralentit à son niveau. Célia voit son regard être attiré par ce véhicule. Elle arrive à voir qu'il y a au volant un jeune homme âgé entre 20 et 25 ans. Et ce jeune homme la regarde fixement. Et ensuite, il repart. Célia était mal à l'aise, mais elle rationalise en se disant que peut-être ce jeune homme cherchait quelqu'un et il a ralenti son véhicule pour s'assurer de si Célia était la personne qu'il cherchait ou pas. Ou alors, elle se dit aussi peut-être que ce jeune homme avait ralenti pour la reluquer, la mater, car elle explique que pour son oral de français, elle s'était bien apprêtée. Célia replonge dans son livre et de nouveau, elle est dérangée. Elle entend des bruits de pas venir de sa droite, donc elle jette un petit coup d'œil dans cette direction et elle se rend compte cette fois-ci qu'il y a un jeune homme qui marche dans sa direction, âgé d'un peu plus de 18 ans, qui est habillé en jogging. Ce jeune homme a une canette dans la main, selon ce que Célia explique, de manière nonchalante. Célia n'est pas très rassurée à ce moment-là, elle essaye de se changer les idées en continuant sa lecture, mais elle dit qu'elle était tellement mal à l'aise qu'elle n'arrivait pas à lire une seule ligne de plus. Elle entend les bruits de pas se rapprochaient, elle, ce qu'elle souhaite, c'est que cet individu passe simplement devant elle, mais alors qu'elle entendait les pas se rapprocher de plus en plus, indiquant que l'individu était à son niveau, là, Célia, alors qu'elle avait les yeux plongés sur son livre, sent une caresse sur sa joue. Célia, ne s'attendant pas du tout à cela, lève les yeux et elle voit que le jeune homme qu'elle avait vu, en jogging,
la regarde avec un énorme sourire et il lui dit « Toi, tu viens avec moi ». Là pour Célia, c'est la panique. Elle est complètement tétanisée mais instinctivement, elle va répondre non. Le jeune homme éclate de rire et il explique qu'il a juste fait une blague. Sauf que, plutôt que de partir, il s'assoit à l'arrêt de bus aux côtés de Célia et il commence à lui faire la conversation. Il lui posait des questions assez bateau, comment tu t'appelles, où tu vis. Célia, elle, restait plutôt évasive, elle ne voulait pas vraiment donner la moindre information à ce jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Célia, de temps en temps, jetait des coups d'œil à cet individu et elle a remarqué qu'il avait une sacoche. Une sacoche qu'il semblait comme protégée. Et de ce qu'elle entendait, elle ne se souvient plus vraiment de la conversation, mais le jeune homme disait qu'il sortait d'un endroit, un organisme, quelque chose comme ça, peut-être un juge, et qu'initialement, il devait être en prison. Donc naturellement, pour notre amie Célia, âgée de 15 ans ici, seule avec lui, c'est encore une fois l'horreur qui s'intensifie. Elle n'a qu'une envie, partir en courant, sauf que, rappelez-vous, elle doit attendre sa mère et elle n'a pas de téléphone portable, donc elle ne peut pas s'enfuir et dire à sa mère de la retrouver ailleurs. Célia réfléchit à ce qu'elle peut faire et elle se souvient qu'à ce moment-là, précisément, le jeune homme lui a demandé comment elle le trouvait physiquement. Évidemment, question piège. Alors Célia, elle ne dit pas la vérité, elle ne veut pas faire un compliment pour que la personne se sente pousser des ailes, elle ne veut pas non plus le dénigrer et que le jeune homme devienne peut-être violent, donc elle répond quelque chose d'assez classique, elle dit « bah tu es normal ». Et le jeune homme ne se contente pas de cette réponse. Il dit « tu ne me trouves pas assez bien pour toi ». Et alors qu'elle réfléchit à la réponse adéquate à donner, Célia remarque qu'il y a deux filles de son lycée qu'elle connaît qui remontent la rue dans sa direction. C'est là pour elle son salut. Célia prend ses affaires et se précipite vers le duo de jeunes filles. Elle leur explique vite ce qu'il s'est passé et elle les supplie de rester avec elle. Bien volontiers, les deux jeunes filles acceptent, soutiennent Célia et restent avec elle jusqu'à ce que sa maman n'arrive. Et rapidement, un peu moins de 5 minutes après la rencontre de Célia avec ses deux anciennes amies, sa maman arrive. Très rapidement, Célia est rentrée dans le véhicule de sa mère, mettant fin à l'horreur qu'elle avait vécue jusqu'à présent. Cette nouvelle histoire sera celle, encore une fois, de Célia. Effectivement, notre amie n'a pas de chance. Cette seconde histoire se passe des années après sa première mésaventure. Cette fois-ci, elle vivait seule, elle était locataire, au premier étage d'une grande maison dans un village en forme de L. Le reste de la maison était occupé par les propriétaires, mais à leur décès, ce sont les enfants qui ont hérité du bien, alors Célia était, on va dire, seule dans cette fameuse maison, les enfants n'habitant pas dans la maison où les personnes décédées vivaient. Pour contextualiser un petit peu le logement de Célia, elle nous dit qu'elle n'a pas accès au reste de la maison. Elle a une entrée indépendante qui lui permet d'accéder à sa partie. Il y a une cour commune et en termes de disposition de pièces, sous la chambre de celle de Célia, il y a, ou il y avait en tout cas, la chambre des propriétaires. En dessous de son salon, il y avait le garage. La cour et les fenêtres donnaient toutes sur une rue qui était utilisée, une rue passante. Mais pour avoir accès à la maison, il fallait quitter la route pour prendre une petite allée où il y avait un portail. Nous sommes donc un matin. Il est 5h, donc extrêmement tôt, et Célia se réveille. Non pas parce qu'elle avait quelque chose à faire, mais parce que quelque chose la réveille. Il faisait à cette heure-ci encore nuit, et Célia, n'ayant pas encore totalement récupéré son esprit, est restée immobile dans son lit. Elle essayait de comprendre si le bruit qu'elle a entendu était son imagination, ou alors quelque chose de bien concret. Mais alors qu'elle essaye de déterminer ce qui a pu la réveiller, elle a un pressentiment. Le pressentiment qu'il se passe quelque chose. Alors, Célia prend la décision de se lever. Elle dit qu'elle n'a pas l'habitude de fermer les volets, alors elle peut aisément regarder ce qu'il se passe à l'extérieur. Et quand elle voit ce qu'il y a, immédiatement, elle a un énorme coup de chaud. Elle voit qu'il y a une voiture noire qui est phare éteint, garé dans l'allée de sa maison, alors qu'il n'y a aucune raison qu'une voiture inconnue ne se gare ici, surtout de si bon matin. On est encore en pleine nuit, donc la couleur noire du véhicule le fait passer inaperçu. Célia plisse un peu les yeux pour essayer de voir si elle reconnaît le véhicule ou la personne à l'intérieur, mais déjà elle ne le reconnaît pas et en plus, deuxième point, il n'y a personne dedans. La seule chose que Célia peut voir, c'est qu'il y a une lumière qui semble émaner du garage de la maison. Alors pour elle, la situation est très simple. Quelqu'un est en train de cambrioler le dit garage. Tout de suite, Célia prend son téléphone, cette fois-ci elle en a un, et elle appelle son père. Son père décroche immédiatement, il était debout car il promenait le chien de la famille. Célia lui raconte tout et le père dit qu'il arrive sur le champ.
Et ici, bonne nouvelle pour Célia, ses parents habitent vraiment juste à côté de ce fameux logement qu'elle occupe. Alors il peut effectivement être là très rapidement. Ne sachant pas ce qu'il se passe, Célia a quand même une peur pour son père. Admettons, il y a des cambrioleurs armés, son père peut vite se retrouver en danger. Alors, elle décide de rejoindre son père dans cette investigation. Elle court donc dans sa cuisine, elle s'empare d'un couteau tranchant, elle ouvre sa porte d'entrée pour sortir et une fois dehors, elle entend des voix mais elle ne comprend pas ce qui est dit. Célia s'aventure à l'extérieur, elle se précipite devant le garage armée de son couteau et là, elle voit son père discuter tranquillement avec un jeune homme et en fait le jeune homme c'était le petit-fils d'une des personnes qui vivait dans la maison, qui était décédée et qui avait reçu une autorisation pour aller récupérer un outil, une scie, c'est tout. C'est là que son histoire se termine, c'était une histoire qui finit extrêmement bien au final, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a toute cette tension qu'on peut avoir, et je pense honnêtement que c'est quelque chose qu'on a quasiment tous vécu. Le truc de se dire, on voit quelque chose qui attire notre attention dehors, et notre imagination, elle nous fait penser peut-être à des choses horribles. Personnellement, ça m'est arrivé de voir, quand j'étais chez mes parents tout seul, une voiture dehors en pleine nuit, une voiture que je n'avais pas l'habitude de voir, et je me disais, est-ce que c'est des cambrioleurs qui veulent faire du repérage? Est-ce que c'est autre chose? Et généralement, ce que je trouve assez fou, c'est que quand on assiste à ce genre de choses qui nous fait nous interroger, on pense rapidement au pire. En tout cas, personnellement, j'ai tendance à chaque fois penser à quelque chose de mal plutôt qu'une situation en mode non, tout va bien, c'est peut-être des invités qui dorment chez des gens, etc. etc. Non, pour moi, c'est directement oula, toi, tu es bizarre. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter ce qu'a partagé Mathilde. Elle nous dit qu'elle est une femme blonde avec des yeux bleus. Elle était âgée au moment des faits de 18 ans, elle venait d'être acceptée dans un BTS dans la ville de Beauvais. Initialement, elle vivait chez sa mère en Normandie, mais elle avait trouvé rapidement un logement sur Beauvais. Mais elle devait faire régulièrement l'aller-retour, notamment le week-end, pour aller en Normandie et travailler afin d'arrondir ses fins de mois. Elle était hôtesse de caisse, donc elle avait pris pour habitude, pour pouvoir gagner du temps, de faire ses courses à la fin de son service. Comme ça, quand elle rentrait dans son appartement le dimanche soir, elle avait déjà son plein de courses. Et pendant cette période, Mathilde était assez triste. Elle venait de se faire quitter, donc elle se sentait extrêmement seule dans son logement, elle n'était clairement pas au meilleur de sa forme. Mais un dimanche, comme elle avait l'habitude, elle est rentrée chez elle en fin d'après-midi et elle a commencé, une fois être arrivée devant son logement, à faire ses différents allers-retours pour décharger le plein de courses qu'elle avait fait la veille. Ça prend du temps, car pour aller dans son immeuble, il faut utiliser un badge au niveau de la porte d'entrée. Ensuite, elle doit traverser une cour, prendre des escaliers. Vous l'avez compris, ça lui prend du temps de faire ne serait-ce qu'un aller-retour. Et ce jour-là, précisément, elle nous dit qu'il y avait un sans-abri qui était assis au niveau de l'entrée de la porte de son immeuble. Il bloquait un peu le passage. Alors, quand Mathilde a commencé à décharger ses courses, elle lui a gentiment, bien sûr, demandé s'il pouvait se déplacer. L'homme a accepté, sans faire d'histoire, et elle nous dit que ce jour-là, quand elle déchargeait ses courses, ça ne faisait encore pas très longtemps qu'elle avait emménagé dans ce logement, donc elle a ramené encore quelques affaires de chez sa mère. Tout ça pour dire que ses allers-retours prenaient plus de temps, plus en tout cas qu'un simple déchargement de courses. Finalement, tout s'est bien passé, Mathilde a terminé, elle était fatiguée de son week-end, donc elle a mangé, elle est ensuite allée se coucher, et on arrive donc le lendemain. C'était un lundi pluvieux, Mathilde s'est rendue pour faire ses études et ayant une pause déjeuner assez courte, notre amie s'est dit qu'elle allait manger directement chez elle pour gagner un peu de temps. Elle voulait mêler confort et rapidité, mais quand elle a repris sa voiture pour se rendre là où elle faisait ses études, notre amie s'est rendue compte qu'il y avait un papier sur son pare-brise. Il y avait quelque chose d'incompréhensible, d'écrit, une dizaine de lignes. Alors, sans vraiment le lire, Mathilde a pris le papier, l'a jeté dans sa voiture et elle s'est dit qu'elle allait jeter le papier quand elle rentrerait chez elle. La journée a continué à se passer sans que Mathilde ne repense vraiment à ce mot étrange, mais en rentrant chez elle, après sa journée de cours, là Mathilde a un mauvais pressentiment. Il est un peu avant 17h30, Mathilde se garde devant chez elle, elle emprunte le trajet pour accéder à son immeuble et une fois arrivée devant la porte, elle a toujours ce mauvais pressentiment mais cette fois-ci qui s'est amplifié. Donc, elle se dit qu'elle va retourner vers sa voiture. Et elle a eu raison car il y avait un nouveau mot qui avait été laissé sur son pare-brise. Assez perplexe de la situation, Mathilde effectue un rapide coup d'œil pour voir si sa voiture n'a pas été cambriolée. Mais non, elle prend donc le mot, celui qu'elle avait laissé initialement dans sa voiture aussi, et elle rentre chez elle. Et c'est là qu'elle essaye, plutôt que de jeter les papiers, de comprendre ce qu'il y a marqué sur les papiers qu'elle a découverts.
Elle se rend compte que sur les deux papiers, il est écrit déjà la même chose. Et que si on fait assez attention à ce qu'il y a marqué, on peut comprendre quelque chose. Il y avait comme écrit une sorte de poème sur une femme blonde aux yeux bleus. Il y avait un rendez-vous qui était donné au niveau de l'église de Beauvais à minuit. Et plein d'autres termes, comme des allusions assez intimes sur certaines parties du corps de Mathilde. Pour que vous visualisiez vraiment comment ça pouvait être écrit, voilà ce qu'il y avait marqué. Ce qui voulait dire, en se concentrant un peu, « Toi la jolie dame blonde, avec beaux yeux bleus comme le ciel, rendez-vous à minuit derrière cathédrale. » Vous vous en doutez, quand on jette un coup d'œil une première fois sur cette fameuse phrase, c'est vrai qu'on ne comprend rien. Pour Mathilde, c'est clair, la personne à l'origine de ce fameux mot étrange et glauque ne savait clairement pas écrire. Et en réfléchissant un peu, Mathilde se dit que peut-être l'auteur de ce fameux mot est le SDF, le sans-abri, qui attendait au niveau de la porte de son immeuble. Et en pensant cela, tout de suite, ça l'inquiète, car cet individu sait à quoi elle ressemble, où elle habite, à quoi ressemble évidemment aussi sa voiture, et cette inquiétude ne va pas s'estomper. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, Mathilde a reçu d'autres mots qui étaient comme les précédents. Toujours des termes glauques, toujours des rendez-vous. Concrètement, au fur et à mesure du temps, Mathilde a développé de la paranoïa, et à raison, elle a demandé à des amis de son université de l'accompagner le matin, elle ne rentrait plus chez elle pour manger le midi. Quand Mathilde faisait ses fameux allers-retours, elle se sentait obligée de rentrer assez tardivement, vers 23h, pour justement éviter cet individu. Mais un jour, sentant qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça, Mathilde a décidé de se rendre dans un commissariat. Elle est allée tout déballer à la police. Et la réaction des policiers, ça a été le rire. Ils n'ont pas du tout pris l'histoire au sérieux et ils ont dit clairement à Mathilde qu'elle ne pouvait pas déposer plainte simplement pour ça. Mais apparemment, la police a connaissance de qui est l'auteur de ces mots. Donc ils ont dit à Mathilde, probablement juste pour la rassurer, qu'ils allaient lui en parler pour qu'il arrête. Évidemment, ça a été quelque chose qui a profondément agacé Mathilde parce que moi, je vous ai fait la version raccourcie, mais elle a été d'abord dans un commissariat, qui lui ont dit d'aller plutôt à l'hôtel de police, qui lui ont dit d'aller dans un autre commissariat, pour qu'au final, on lui dise que non, elle ne peut pas porter plainte. Alors, Mathilde comprend que la situation ne pourra pas se résoudre sans sa propre intervention. Elle décide donc, à un moment donné, après un week-end, de rentrer chez elle un peu plus tôt et d'attendre dans son véhicule afin de voir et de confronter l'individu qui laisse les fameux mots. Elle avait prévu le coup, car elle avait pris avec elle dans son véhicule un couteau. Et c'est là qu'elle est tombée, effectivement, sur l'individu en question. C'était bel et bien le sans-abri. Alors tout de suite, Mathilde est sortie. Elle a dit à l'homme d'arrêter sur le champ de déposer ses fameux mots, qu'il n'y aurait absolument rien, qu'il doit arrêter de l'importuner. Et concrètement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a montré le couteau qu'elle avait dans sa voiture, elle l'a pris en main, et elle a dit que si jamais il continuait, elle mettrait un terme à sa vie. Mathilde avait le cœur qui battait à 1000 à l'heure, dans son corps se mélangeait colère et panique, et cette prise de décision, cette initiative qui aurait pu mal tourner bien sûr, a porté ses fruits. Le sans-abri a complètement lâché Mathilde, et Mathilde a donc pu retrouver une vie complètement normale. Elle a dit à ses proches, à qui elle avait raconté toute cette histoire, que ce stalker l'avait tout simplement lâché. Elle n'a pas expliqué qu'elle l'avait concrètement confronté, parce que, évidemment, ses proches auraient été extrêmement inquiets. Quoi qu'il en soit, au bout de cette histoire, on ne peut être qu'heureux que Mathilde ait réussi à se sortir de cette situation. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce qu'a partagé Mélissa. Mélissa nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée de 12 ans. Elle était extrêmement jeune. Et au moment où se déroule cette histoire, elle raconte qu'elle passait des vacances en Bretagne. Elle logeait chez sa grand-mère et elle était en compagnie de sa sœur, son cousin et sa cousine qui tous étaient moins âgés qu'elle. Les parents n'étaient pas là, donc un jour ensoleillé, la grand-mère a emmené tous les enfants pour passer un peu de bon temps à la plage. Il y avait sur place énormément de monde. C'était difficile de s'installer, donc la grand-mère de Mélissa l'a autorisée à s'installer un peu plus loin pour qu'elle ait un peu de tranquillité, un peu cachée par une ligne de rochers. Sauf qu'après s'être installée, Mélissa s'est rendue compte qu'il y avait un peu plus loin une bande de garçons. Cette bande s'est rapprochée d'elle et ils lui ont proposé d'aller se baigner. Mélissa n'en avait pas vraiment envie, mais au bout d'un certain temps, voulant clairement que ces garçons arrêtent de l'agacer, elle se dit « Ok, je vais y aller, 5 minutes, je reviens, ils vont me lâcher. » Donc elle y va. Sauf qu'une fois entrée dans l'eau, Mélissa s'est rendue compte qu'elle était en fait arrivée dans un piège. La bande de garçons a commencé à se rapprocher d'elle, à la toucher à des endroits
où elle ne le désirait pas. Donc, se débattant, se dégager de cette reprise qui la mettait si mal, Mélissa a mordu un des garçons qui a hurlé de douleur. Les autres, se demandant ce qu'il se passait, se sont un peu éloignés, permettant à Mélissa de prendre la fuite. Mélissa est ensuite retournée là où elle avait laissé sa serviette et elle s'est rapprochée de sa grand-mère pour se sentir un peu plus en sécurité. Elle avait vécu un vrai cauchemar. Un cauchemar dont elle n'a pas osé parler pendant 8 mois. C'est une histoire difficile. Mélissa est extrêmement courageuse d'avoir réussi à traverser tout ça, encore plus d'avoir réussi à en parler derrière. J'espère que jamais elle ne revivra ce genre de situation et je pense qu'on peut tous ensemble lui souhaiter tout le bonheur du monde après ce qu'elle a vécu. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous partager ce qu'a raconté Léo. Léo nous dit que son histoire s'est passée en 2022 quand il était âgé de 19 ans. À ce moment-là, lui vivait encore chez ses parents. Sa maison se situait en bordure de ville, dans un quartier où il ne se passait rien de bien spécial. Et un soir, au moment des faits, les parents de Léo n'étaient pas là. Ils étaient partis rendre visite à des amis et ils ne devaient rentrer que le lendemain. Ils étaient partis alors que la nuit commençait déjà à tomber. Et pour Léo, c'était un peu le bonheur. Il se disait « Cool, j'ai la maison pour moi tout seul ». C'est un peu la liberté. Il s'est donc regardé quelques épisodes de série, il s'est fait plaisir, et au bout d'un moment, la fatigue le frappant, il a décidé d'aller se coucher. Il est donc parti dormir, et alors qu'il commençait petit à petit à sombrer dans les bras de Morphée, un bruit l'a sorti de cet état d'endormissement. C'était une sorte de grincement qui venait de l'extérieur. Léo, curieux, s'est levé pour voir ce qu'il en était, mais quand il s'est approché de la fenêtre du salon, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Il y avait une silhouette qui se tenait au niveau de la fenêtre. Et ce qui a tout de suite interpellé Léo, c'est que cette fameuse silhouette portait un masque blanc. Un masque blanc qui n'avait aucune expression. La personne ne bougeait pas, elle ne faisait pas un geste. Et tout de suite, notre ami essaye de rationaliser. Il se dit que c'est peut-être un voisin du quartier avec qui il s'entend bien, qui est au fait que Léo est seul chez lui et qui veut lui faire peur. Donc, notre ami éteint la lumière du salon. Il veut faire comme si de rien n'était. Il essaie de sortir du champ de vision de la silhouette, mais la silhouette, elle, ne bouge pas d'un pouce. Léo patiente, dans le silence. Mais le silence est brisé par un bruit qui vient de derrière lui. Léo s'est donc approché de la fenêtre de la cuisine, là d'où venait ce bruit, et il a vu la même personne qui cette fois-ci se tenait encore plus près de la fenêtre que précédemment. Léo ne comprenait pas comment cette personne avait pu être aussi rapide. Donc, en panique, cette fois-ci, Léo prend un couteau dans la cuisine et il part s'enfermer dans sa chambre. De sa chambre, il a entendu des bruits de pas sur le gravier qui entourait sa maison. Et il a entendu la poignée de la porte d'entrée être utilisée mais violemment, comme si quelqu'un cherchait à forcer l'entrée. Toujours dans la panique, Léo a pris son téléphone. Il a appelé ses parents, mais ses parents, qui étaient probablement occupés à passer une bonne soirée, n'ont pas répondu, ils n'ont pas vu l'appel. Alors, cherchant absolument de l'aide, Léo a appelé la police. Mais alors qu'il était en ligne avec quelqu'un, les bruits se sont arrêtés d'un coup. Léo a dit à la police qu'il n'y avait plus de bruit, que les personnes semblaient être parties. Donc la police a dit que si jamais il se reproduisait quelque chose de la sorte, il fallait les rappeler. Léo a donc patienté, dans le silence, en étant très attentif, mais à un moment donné, à force d'être aussi vigilant, la fatigue l'a emporté et donc il s'est endormi. Le lendemain, il s'est réveillé et il a décidé de faire un petit tour de la maison. Il faisait bien jour, donc l'ambiance n'était pas glauque, mais il a vu que devant chacune des fenêtres où il a vu cette personne avec un masque, il y avait des empreintes de pas. Alors, c'est sûr et certain pour lui, il n'a rien rêvé du tout. Plus tard, quelques semaines passent et Léo a parlé de ces événements avec des voisins qui étaient ses amis. Et ses voisins ont dit que eux aussi ont vu des gens rôder autour de leur maison. Alors la pensée commune qu'il y avait, c'était que cet individu était en fait quelqu'un qui cherchait à cambrioler une maison. Et l'individu, précisément dans le cas de Léo, avait dû voir que ses parents étaient partis et donc il a dû penser que la maison était complètement délaissée. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager ce que nous a raconté Léa. Léa nous dit que son histoire s'est déroulée alors qu'elle était âgée de 16 ans. À cette époque, elle nous explique qu'elle avait pour habitude de traîner sur les réseaux sociaux, d'envoyer des messages à ses amis, d'être beaucoup en soi sur son téléphone, concrètement une vie adolescente plutôt classique. Un soir, alors que Léa traînait sur son téléphone, assez tardivement, il était 2h du matin, elle a reçu un appel. Un appel d'un numéro qu'elle ne connaissait absolument pas. Alors, comme beaucoup peuvent le faire je pense, elle a ignoré l'appel. Elle se dit que c'était peut-être de la pub, une erreur, mais quoi qu'il en soit, ce numéro l'a rappelé quelques instants après. Encore une fois, Léa
ignore l'appel, mais la personne à l'autre bout du fil semble insister. Alors, curieuse quand même, Léa décide à un moment donné de décrocher, mais de ne rien dire. Et, à l'autre bout du fil, personne ne parle. Il n'y a qu'un silence, silence qui a été brisé par une voix, comme un murmure qui dit « Je te regarde ». Tout de suite, Léa a raccroché. Évidemment, à 2h du matin, quelqu'un nous appelle en disant cela, ça peut créer un sentiment de malaise. C'était le cas pour Léa ici, elle était complètement horrifiée. Elle essaye de se rassurer en se disant que quelqu'un a simplement fait un numéro au hasard et voulait faire une blague et a appelé la personne à qui appartenait ce numéro. Elle espère que ça va s'arrêter, que le lendemain elle va oublier le truc, mais le lendemain soir, ça se reproduit. Léa décroche de nouveau, cette fois-ci on lui dit « Je sais où tu es, je te regarde ». À chaque fois, c'est des phrases assez menaçantes. Donc, n'en pouvant plus, Léa a pris une bonne décision, elle a bloqué le numéro. Sauf qu'elle a été appelée par d'autres numéros qui disaient la même chose avec la même voix. Elle se dit que c'est peut-être un groupe d'amis qui s'acharne sur une personne pour faire une très mauvaise blague. Mais là où la situation devient extrêmement inquiétante pour Léa, c'est quand elle commence à recevoir des SMS. Et sur ces SMS, il y avait des photos d'elle, et des photos qui avaient été prises quand elle était en train de rentrer du lycée. Alors, n'en pouvant clairement plus, Léa en a parlé à ses parents, et ses parents lui ont donc fait changer de numéro et de téléphone. Et là, ça s'est arrêté. Mais un peu plus tard, au cours de l'année, Mélissa a appris certaines choses, en soi des révélations. Elle a découvert qu'un de ses camarades de classe était en fait à l'origine des fameux messages, et elle n'avait pas été la seule victime de cette personne. Ce camarade harcelait différentes filles, ça a été découvert, et donc il a été expulsé du lycée. C'était quelqu'un qui aimait harceler les filles, leur faire peur, sachant qu'il était dans la même classe que Léa, c'était facile pour lui de la prendre en photo, d'où le fait qu'il ait réussi à lui en envoyer. Et bien que la situation ait été réglée et que le mystère ait été découvert, ça a provoqué une peur, une sorte de paranoïa chez Léa, c'est que maintenant, elle a toujours du mal à répondre au numéro qu'elle ne connaît pas. Elle a toujours l'impression que ce sera en fait quelqu'un qui va lui dire des choses extrêmement malsaines. Et voilà les amis, on en a fini pour ces différentes histoires d'abonnés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'était un plaisir de vous partager ces différentes histoires que vous m'avez vous-même envoyées. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Laissez un j'aime aussi, sachez que c'est très important. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, AkenTV, je vous attends là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut !